Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. D'après un journaliste espagnol de Marca, Kylian Mbappé aurait déjà signé son futur contrat avec le Real Madrid depuis le 30 janvier. Le joueur et le club espagnol ont pourtant affirmé l'inverse depuis plusieurs semaines. Les possibles négociations entre Kylian Mbappé et le Real Madrid étaient de l'avis de tous au point mort depuis que le Paris Saint-Germain devrait affronter le Real, le club madrilène, en 8e de finale de LDC. Mais d'après un journaliste espagnol, tout pourrait en fait être ficelé depuis déjà un mois et demi. L'information vient de Roman Alvarez, journaliste pour Marca, qui assure que le contrat entre Mbappé et le Real Madrid a été signé le 30 janvier dernier, soit 2 semaines avant le match aller entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes. Leonardo confiait il y a 10 jours son espoir de garder Mbappé. Selon ces informations, le contrat d'Mbappé avec Madrid aurait été signé en présence de l'avocate de Kylian Mbappé et de 2 représentants du Real Madrid, José Luis del Val, proche de confiance de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et de Pedro López Jiménez, vice-président du club madrilène. Il y a encore 10 jours, Leonardo avait confié ses espoirs de voir Mbappé rester au PSG, mais malheureusement, Mbappé au Real Madrid, ça chauffe de plus en plus. Le Français pourrait débarquer à Madrid lors du prochain mercato estival. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est vraiment une bonne idée? Ou sinon, qu'est-ce qu'Mbappé pourrait apporter au club madrilène, le Real Madrid? Voici, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Like et abonne-toi avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut, à la prochaine.